Pierre, on est présentement dans le nouveau bâtiment d'accueil qu'on appelle salle de dégustation. Je trouve ça magnifique. Premièrement, c'est un beau petit lieu chaleureux en bois et on peut découvrir des nouveautés. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, mais cette année, on a un vin orange qui est nouveau de cette année. Donc, un vin de macération, vraiment intéressant, avec des arômes de fruits confits. Et on a un vin rosé également, nouveau de cette année. Je dois t'avouer que j'ai un coup de cœur pour ces deux nouveautés. Je ne savais pas lesquelles choisir, mais les deux, je les aime égales. Comme dans une famille, nos enfants, je les aime de façon égale. C'est vraiment difficile de savoir lequel est mon préféré. Oui. Les deux sont vraiment très bons et on encourage les gens à venir les déguster. Un petit coup de cœur, moi, de tes bouteilles, puis tu sais, on en parle souvent quand je viens de voir, c'est l'étiquetage. Oui. L'étiquetage des bouteilles est très particulière. Puis, tu as fait affaire avec une artiste, je pense. Oui. C'est Ariane plus Requin. Et puis, cette personne-là a su capter l'essence du vignoble, puis être capable de tout développer le visuel, dans le fond, à partir de photos qui ont été prises ici. Et puis, on voulait garder quand même un petit côté imparfait sur les étiquettes, un peu comme pour le vignoble, faire des vins nature, bien dans le fond, puis même notre histoire de vignoble, on prétend pas faire les meilleurs vins au Québec, mais on a du fun en tabarouette à les faire, puis c'est un petit peu ça qu'on voulait rapporter sur les ça étiquettes. Ça paraît, parce que juste avec vos noms de vin, tête au vent, brin de folie, sous tout ça, vin de folie, aire de famille, oui. Ah, on adore ça. Donc, on a aussi gardé toutes les petites expressions, puis qui ont toujours un petit deuxième sens. Et puis, c'est très festif, pareil comme ton vin, d'une qualité exceptionnelle. On le dit encore, c'est une fierté saloméenne très grande pour moi, surtout quand on arrive dans un restaurant, parce que je sais que tu es dans certains restaurants de la région et même d'autres régions. Oui. Donc, on a des prix. Avec ça, il y a la dégustation, donc ça inclut une visite. Donc, parce que je sais qu'il y a également le chai, le bâtiment du chai qui est quand même aussi impressionnant et ça vaut le détour. Les gens qui viennent ici peuvent avoir choisir une dégustation. On a un forfait de dégustation où on peut choisir parmi les trois dégustations sur les différents produits qu'on a de disponibles. On a également un forfait visite et dégustation où là, je démystifie les vins nature avec les gens. On passe environ une heure ensemble. Donc, peut-être 30 minutes environ au champ où j'explique tout le travail qu'on fait du mois d'avril au mois de novembre. Et par la suite, on revient ici prendre une petite dégustation et on retourne au chai. Là, j'explique un peu la vinification, je présente les équipements et puis les défis qu'on a à faire des vins nature. C'est magnifique. Parce qu'on a quand même un lieu exceptionnel qui peut servir de lieu d'office pour certains événements. Est-ce que tu veux m'en parler aussi? On a des gens qui viennent pour soit des 5 à 7. Les gens viennent en groupe. Sinon, on fait du corporatif également. Donc, différentes petites entreprises de la région qui viennent souligner un événement ou une petite rencontre. On a eu aussi des mariages. Vraiment, par contre, des petits groupes, vraiment, avec la météo. Donc, il faut être sûr qu'on a un petit plan B. Donc, vraiment des petits groupes. Et puis, également une cérémonie qui est prévue. Donc, il y en a pour tous les coups. Fait qu'on peut s'attendre à ce que ça soit ouvert d'avril à novembre. Est-ce que tu pourrais nous dire quel temps précis de l'année serait le plus intéressant pour une visite? Début août. Ça, c'est très intéressant parce que c'est la période de l'année où les raisins commencent à mûrir. Et chaque grain de raisin mûrit individuellement. Donc, les grappes sont de toutes les couleurs. C'est vraiment beau. C'est vraiment la période la plus intéressante. Peux-tu nous parler des vendanges? Ça a eu lieu à peu près à l'automne, mais tu peux nous dire? Oui, mais les vendanges, ça dépend de d'année en année, c'est différent. Ça varie entre la mi-septembre et la mi-octobre. Alors, c'est vraiment une fête. Donc, tous les gens qui sont intéressés à venir vendanger, on n'a pas besoin d'expertise particulière. On se rencontre ici, j'explique un petit peu comment la journée va se dérouler. Et puis, à la fin de la journée, bien, on fête. Donc, le vin coule à flot, on a nos charcuteries, fromages, et puis c'est la période, le moment pour remercier les bénévoles qui sont venus nous aider. On est très, très fiers de toi pour ça. Merci. Et on continue de t'encourager. Donc, on te souhaite beaucoup de succès à toi et toute la famille, beaucoup de folie encore dans ta belle aventure. Puis, sache que Sainte-Marie-Salomé est au rendez-vous et on est derrière toi. Bien, merci beaucoup. Moi aussi, je suis très fier de faire rayonner Sainte-Marie-Salomé. Merci. Bienvenue.